Yo les gars, aujourd'hui tout nouveau vlog, donc du coup c'est l'épisode hashtag 2, voilà. Le montage, je te laisse mettre le hashtag 2 sur ma main. Bah, je te casse les couilles, je sais. Et du coup, aujourd'hui les gars, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur la côte. Donc c'est pour ça que je vous emmène avec moi pour le vlog hashtag 2. Et bien sûr, il y aura des petits plans, voilà, je vous montrerai comme d'habitude. Avant de partir les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le premier épisode vous a plu. Et puis c'est parti. Du coup les gars, là je me situe à la pointe de l'Arc West, donc c'est là où il va y avoir l'île, donc je vais vous montrer bientôt. Du coup les gars, c'est parti. Du coup les gars, là je vais embarquer pour la navette, donc c'est parti. Regardez les gars, aïe 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 aïe, ça c'est toute l'île de Réa. On aperçoit sur notre avant droit là-bas l'embarquement de passagers. Le porto les gars, port principal. C'est là-bas qu'on arrivera tout à l'heure, en termes de droit. Le chenal du Kermont, c'est un ancien abri du canot de sauvetage de l'île. On recense aux alentours de 300 habitants. Qui sépare les gars, de deux grandes îles et sud sur notre droite de 2 mètres au-dessus gars, de l'île. Là, il y a la chapelle Saint-Michel. C'est une balade. Les gars, regardez-moi ces îles. Oh là là. Là, les gars, on a la partie nord qui est beaucoup plus sauvage que la partie sud que je vous ai montré tout à l'heure. Ouais. Culture de moules, les gars. Comme elles ne sortent quasiment jamais de l'eau, on les appelle en eau profonde et en suspension. Vous voyez comment travaillent les mytiliculteurs à bord de leur chaland équipé d'une grue. Pour relever, il y a des filières comme celle-là sous chacun des flotteurs noirs ou blancs que vous apercevez. Alors les moules de Bréa qui sont très réputées, car elles poussent ici dans des conditions optimum avec qualité des eaux exceptionnelles. Des eaux très brassées, très oxygénées, très riches en plancton dont se nourrissent les moules. Chacune d'entre elles est capable de filtrer jusqu'à 7 litres d'eau de mer par heure pour y capter le plancton dont elles se nourrissent. Oh là là, mais tu vas la fermer ta... Non, on a déjà fait cette blague. Donc le monteur, tu l'enlèves. Du coup les gars, là j'ai embarqué, ça y est, je suis sur l'île de Bréa, donc... regardez, voilà, ça c'est toute l'île et vous avez vu un peu rapidement toutes les vidéos et tout que j'ai filmé quand j'étais sur la navette, donc c'est cool. Les gars, regardez ce que j'ai acheté, genre ça me fume les gars, je vais devenir mort à la scole à un moment. Je sais plus s'il porte ça mais ça me fume, j'ai un bob. J'ai préféré celui-là au noir parce que le noir tient très très chaud et j'ai pas envie. Et sinon, à part ça, dans l'île, je vais vous montrer un peu les paysages. J'ai pas pu vous montrer, mais en gros, il disait le gars, il y en a qui sont revenus. Et en plus, les gars, normalement, je vais peut-être y aller hein, pour le vlog, normalement. Mais en gros, il y a un phare dans l'île nord, donc c'est là où il y a les gros vents. Et là-bas, en gros, il y a une histoire avec un ricochet. Si t'arrives à le mettre, je crois, dans l'eau sans que ça touche les bords, tu peux te marier dans l'année. Yes. Du coup les gars, là en gros j'ai terminé de manger, donc j'étais dans un restaurant assez cool et typique, mais en gros c'était assez cool. J'ai mangé des moules frites, donc voilà. Et là je vais aller vers différents endroits et voir un peu, mais il y a un endroit les gars, vous avez peut-être dû le voir, c'était le phare du pont. C'était l'une des photos qui a défilé plus tôt dans la vidéo et j'ai envie d'y retourner à pied. Il y a aussi un autre endroit, c'est le moulin où je vais aller. Mais de toute façon les gars, franchement cette île, si mon père me l'avait pas montré, je crois que je l'aurais jamais connu. Du coup les gars, là on se retrouve à la chapelle de Kéranou. Voilà, je vous montre un peu l'intérieur juste après. Oh là là. Les gars, j'ai juré, ça c'est trop kiffant quand t'as des bateaux là comme ça en mode échoué, parce que t'as la marée qui pour l'instant est basse. Les gars, je suis désolé si altération on l'avait prévu et au domicile, mais quand même les gars, regardez-moi ce jardin frère. Wesh, et là-bas t'as la vue sur la marée basse. Non franchement les gars, c'est génial l'île de Bréa.
Regardez les gars, je sais pas si je vous l'ai déjà montré celui-là, c'est un des phares que j'ai pris en photo ce matin normalement. Putain, il y a des verres partout. Voilà, c'est assez stylé. Ah merde, il y a des gens dessus. Ok. Je vais essayer de voir si je peux monter, sinon on va aller à un autre phare. Mec, les gars, non mais regardez-moi ça, juste là-bas t'as... attendez, je vous zoome à fond. Là-bas, tu as tout ce qui est la mer. Et là, t'as les vaches. À un moment, les gars, que demander de mieux? Là, les gars, on est à la ferme du Crévillon. Alors, je sais pas si c'est un endroit ou quoi à visiter, ou si c'est juste une habitation et si j'ai fait tout ce chemin pour rien. Mais c'est pas grave parce que j'ai justement un endroit à vous montrer, les gars. Si vous êtes prêts. Les gars, maintenant, c'est un chemin en pierre. C'est beaucoup trop beau, les gars. Je vous jure. Regardez. J'essaye de faire attention à ne pas montrer les gens. Les gars, là, je vous reprends du coup un petit peu plus loin, mais pas trop non plus de l'endroit où je veux vous emmener, parce que c'est un endroit que vous avez sûrement vu ce matin, mais rapidement du coup dans la vidéo. Et là, en gros, je vais vous emmener, donc ça s'appelle donc le phare du Pan. C'est assez beau à voir, c'est en face de la mer. Puis après, je pense que je repartirai, les gars, parce qu'il y a encore une grosse partie de la journée à faire. Et les vidéos, les gars, ça doit faire la 50e que j'envoie au monteur, en tout cas dans le fichier. Parce qu'en gros, pour faire simple, j'ai fait un fichier sur internet et toutes les vidéos sont stockées là. Donc en attendant qu'il les montre, donc voilà. Ça, les gars, c'est les vestiges, les gars, de la chapelle du Saint-Rion machin. Bon, bref. Regardez, en vrai c'est stylé, non? Juste pour te faire tomber le téléphone. Mais sinon voilà. Non, franchement c'est stylé. Les gars, on a là, les gars, on a la petite chapelle Saint-Michel. Malheureusement, si j'y étais allé là-dessus, là-haut, j'aurais pu voir toute l'île, mais bon, c'est fermé à cause de la barrière, donc tant pis. On rentre. Putain, les gars, la maison de riche qu'il y a là. Et regardez là. Frère, la maison de riche. Allez, maintenant frère, c'est les chemins comme ça là. Oh ouais, mais mec, ils se sont cru dans Alice au pays des merveilles ou quoi? N'empêche, les gars, sans déconner, en vrai c'est stylé comme ça. En fait, vous voyez, on a eu plein, les gars, de jardins comme ça au cours de toute notre visite. En gros, je suis arrivé, il était 10h, non, 11 peut-être. Ouais, 11. Et là, il est 15, les gars. Ça fait 11, 12, 13, 14, 15, presque 4h même plus. Donc, franchement, ça aurait été cool. Là, je vois encore un petit jardin, je vais vous montrer comme ça, j'ai la flemme de tourner la caméra encore. Voilà. Donc, non, franchement, les gars, c'est stylé. Et franchement, si un jour je pourrais y revenir dans le futur, franchement, les gars, je vous dis, je reviendrai direct. Si je peux amener des amis ou n'importe qui, ben, je le ferai, ça c'est sûr. Et en plus, les gars, ce qui est stylé, c'est que là, je suis vraiment dans une allée où t'as des arbres et tout. Et en plus, après, c'est le port. Non, franchement, les gars, c'est stylé. En plus, j'envoie tous les rushs rapidement au monteur. Et les vidéos, par contre, ne sortiront pas tout de suite. Là, on est le 13. Le temps que vous voyez, peut-être que ce sera déjà en août. Je sais pas encore, mais il faut que le temps qu'il les monte. Parce que là, c'est des longues vidéos quand même. Hein. Plus encore après Paimpol, qui est une autre ville où je vais aller. Donc, franchement, les gars, le vlog hashtag 2, j'ai peur qu'il soit un peu long. Mais en tout cas, j'espère que vous passez un bon visionnage. Voilà. Là, je suis à Paimpol, du coup. C'est stylé, le plein de bateaux et tout. C'est la France. Les amis, j'ai aussi fait une compilation de photos que je vais vous montrer maintenant. C'est parti! Bon les amis, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo vlog hashtag 2, donc c'était cool. Et nous on va se retrouver pour le vlog hashtag 3, donc Rémi reviendra pour de prochains vlogs, salut.